Nous voici à Hanoï, capitale du Vietnam réunifié. Nous retrouvons les immeubles aux façades étroites. Les rues sont parsemées de ces petits cafés où l'on vient prendre le thé. Ce temple, placé sous la protection de Confucius, servit d'école aux fils de l'État puis aux lettrés de toute origine sociale. C'est la première université nationale. Patrimoine de l'humanité, la baie d'Along est l'un des plus beaux sites naturels du monde. Along signifie la descente du dragon. Plusieurs légendes parlent de lui. J'ai choisi celle où le dragon aurait pétrifié par sa flamme pour l'éternité tous ceux qui voulaient le tuer, hommes, animaux, esprits. Nous croisons de nombreux vaisseaux de pierre. Nous poursuivons notre route en croisant des pitons, des aiguilles, des rochers aux formes étranges où se nichent d'innombrables oiseaux de mer. Des gens vivent et travaillent dans la baie d'Along sur des villages flottants. Le soleil se couchant peu à peu sur la baie, les jonques viennent s'amarrer dans une crique à l'abri des vents.
nous visitons la grotte de la Surprise. Elle fut découverte par des pêcheurs voulant se protéger du typhon. Cette grotte est immense. Elle se nomme ainsi car l'imagination peut vous aider à faire apparaître multiples formes et en particulier le doigt de Bouddha que vous allez apercevoir. Nous visitons une très jolie crique aux eaux couleur de l'émeraude. Retour sur Hanoï et nous passons devant de nombreuses rizières. Nous nous dirigeons dans les rues d'Hanoï vers le théâtre des marionnettes sur l'eau. Forme d'expression millénaire, le spectacle serait né dans une région de rizières et qui, dans ce théâtre, va devenir une vaste scène magique. Thank you.